السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنطلبوا من الجمهور ديالنا فضل ليس أمرا باش يشجعونا باللايك وينخرطوا معنا في لاشين ديالنا ديال ماد كوليج ليسي وشكرا. Alors maintenant, si vous voulez, on n'a pas terminé dans la vidéo numéro 5. Dans la vidéo numéro 5, nous avons introduit ce qu'on appelle une application linéaire. Donc, une application linéaire, c'est tout simplement en considérant deux espaces vectoriels sur un même corps K, F sera linéaire si, selon ceci, il vérifie, alors, axiome 1, quel que soit x, y, élément de E, f de x plus y égale f de x plus f de y. Et puis, le deuxième axiome que je n'avais pas, vu dans la vidéo numéro 5, et bien maintenant le voici dans la vidéo numéro 6, axiome 2, à savoir, quel que soit x appartenant à E, quel que soit alpha appartenant à k, f de alpha point x est égal à alpha point f de x. Alors, ces deux axiomes-là réunis font de F une application linéaire. Une application linéaire. De quoi? De l'espace vectoriel E vers l'espace vectoriel F. Si les deux axiomes sont vérifiées, bien F est une application linéaire. Alors, remarque. Alors, si maintenant l'ensemble de départ est identique à l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire tout simplement si E égale F, alors, si E égale F, alors F est appelé, un endomorphisme, un endomorphisme. Est un endomorphisme. Donc j'écris donc le point F appartient à onde, à l'ensemble des endomorphismes appartient à onde de E. Cet ensemble là il représente l'ensemble des endomorphismes de E. Alors bien sûr si E égale F, et bien les lois elles seront les mêmes. Mais le corps K ne change pas. Donc, si E égale F, alors F est appelé un endomorphisme. Donc, F appartient à onde de E. Alors, maintenant, une deuxième remarque numéro 1. Remarque numéro 2. Remarque. Remarque numéro 2, si F est bijective de E, vers F, F est un isomorphisme. Maintenant, si
si F appartient à un de E, c'est-à-dire c'est un endomorphisme de E, et F est bijective. F est une application bijective. Bijective de E. De E vers F. Alors, dans ce cas-là, on dit que F est un automorphisme. Alors, F est un automorphisme. Est un automorphisme, automorphisme. Est un automorphisme. Un automorphisme de E. Nous écrivons quoi? Eh bien, F, nous écrivons, F appartient à l'ensemble des automorphismes de quoi? De E. Il appartient à l'ensemble des automorphismes de E, c'est-à-dire F est un endomorphisme bijectif de E vers E. Alors, on passe à définir ce qu'on appelle le noyau d'une application linéaire. C'est quoi le noyau d'une application linéaire? Alors, j'efface. Alors maintenant, noyau d'une application linéaire. Alors, noyau d'une application, linéaire. Alors, définition. Alors, on considère soit F, une application linéaire de quoi? De E vers F. On appelle noyau de F noté comme ça, cœur de F, comme ça. Noté cœur de F, l'ensemble des vecteurs, x de E, vérifiant F de X égale le vecteur nul. F de X égale le vecteur nul. Donc voilà. Donc,
Si vous voulez, alors j'efface maintenant la définition de l'application linéaire. Alors, donc si vous voulez, eh bien, curve de F égale quoi? Si l'ensemble des vecteurs X éléments de E vérifiant F de X égale le vecteur nul. Voilà ce qu'on appelle curve de F. Alors maintenant, on vient de définir curve de F. On va définir maintenant ce qu'on appelle image de F. Alors, image de F. Alors, j'efface. C'est quoi l'image de F? Alors, image de F. Image de F. Alors, n'oubliez pas que F est une application de l'ensemble E dans l'ensemble F qui est AX. On va lui associer, si vous voulez, F de X. Eh bien, l'image de F, c'est tout simplement tous les éléments de E, si vous voulez, ayant une image. Donc ça forme un ensemble, le voici. Et bien cet ensemble-là, il s'appelle F de E. Il s'appelle l'image de quoi? L'image de E. Donc, image de F. Alors ici, notez, si vous voulez, image de F. Notez, si vous voulez, puisque image de F, notez quoi? Comme ça. Image de F. Alors, à quoi elle est-elle égale, l'image de F? Eh bien, l'image de F, tout simplement, image de F, c'est quoi? C'est l'ensemble des vecteurs F de V, sachant que le vecteur V, c'est quoi? C'est un élément de l'ensemble de départ. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. L'ensemble des vecteurs de E ayant une image ici s'appelle image de F. Donc, l'image, c'est l'ensemble des vecteurs F de V avec V, un élément de quoi? De l'ensemble de départ. Donc, voilà ce qu'on appelle l'image de F. Alors, je vais vous donner maintenant un exemple d'application linéaire. Un exemple d'application linéaire. Alors, exemple d'application linéaire. Alors, exemple. Exemple. Alors, on va considérer, alors si vous voulez, soit F, si vous voulez, une application, si vous voulez, de quoi? De R au carré dans R à la puissance 3, dans R3.
Donc, si vous voulez, F, alors l'ensemble du départ, c'est R carré. L'ensemble d'arrivée, c'est quoi? C'est R3. Alors, tel que XY, un couple, les éléments de R4, ce sont du couple. Un couple, le couple XY, si vous voulez, a pour image directement, il a pour image par F, X plus Y, c'est un élément de R3. Donc, il a pour image X plus Y pour première projection, on est dans R3. Et si j'aurai X moins 2Y dans la projection, deuxième projection, et dans la troisième projection, eh bien, j'aurai 0. Alors, la question est la suivante. Démontrer que F est une application linéaire. Alors, démontrer que F est une application linéaire de quoi? De l'espace vectoriel R carré plus point vers R3 plus point sur le corps R, sur le corps R. Voilà. Alors maintenant, pour démontrer qu'effectivement F est une application linéaire de R carré dans R3, on va appliquer notre définition, à savoir vérifier l'axiome numéro 1. Une fois l'axiome numéro 1 est vérifié, on passe à l'axiome numéro 2. Donc ces deux axiomes-là doivent être vérifiés. Donc pour passer à l'axiome numéro 1, je vais considérer deux vecteurs de R carré. Donc soit V1 et V2, deux vecteurs de R carré. Alors, ici, comparons F de V1 plus V2 et quoi encore? Et F de V1 plus F de quoi? De V2. Le premier axiome d'une application linéaire. Alors, V1, c'est un vecteur de R carré. Donc, V1 est là de projection. Donc, je vais poser, si vous voulez. Alors, posons V1 égale X, Y. Et V2, si vous voulez, V2 égale quoi? Égale AB. Voilà. Alors maintenant, on va calculer V1 plus V2. Et bien, V1 plus V2 est égal à quoi?